Ah mes viewers, bonjour et bienvenue pour les suites de l'aventure sur Mountain Blade Warband avec le mode 1429, toujours la guerre de 100 ans. Qui rame un peu aujourd'hui, je sais pas ce qui... Il a un petit peu de mal. Bon, on a libéré Limoges. Enfin, on a conquis Limoges. Par voie diplomatique, c'est encore mieux. Je vais voir si... Ouais, non. On avait déjà regardé s'il n'y avait pas des couleuvriniers. Ouais, des couleuvriniers à acheter. Mais... Ce serait bien de pouvoir recruter des artilleurs ici, quand même. Taverne. Oh, tavernier! Ranson. Oh, je crois que j'ai du monde, ouais. Ouais, pas terrible, pas terrible. Voyageur et guetteur. Oh, ok. Je connais pas le maître de guilde, ouais. C'est pas faux. Bon, je suis plus en guerre contre les Anglais, je crois. Ouais. Je suis plus en guerre contre personne. Alors, qu'est-ce qui nous reste concrètement? Ce qui nous resterait à faire, c'est 400 villes anglaises et derrière la Bretagne. La France, c'est sûr que je ne me mettrai pas en guerre contre la France. Ça va être trop long, ça va pas être possible. Donc, ce qui serait pas mal, c'est une alliance avec la France. Charge générale, bien sûr. En face, c'est les écorcheurs, c'est les brigands, c'est pour des trucs très importants. Bien. Ça m'étonnerait qu'on ait la moindre perte. Ah, il y a un de mes alliés qui est mort. Ah merde, ok. C'est pas passé loin, mais ça a fail. Laissez-le sortir là. Il est où? Ah, comme on lui marave la gueule, le pauvre. Oh, ok. Quelle magnifique victoire, dis donc, vive la France. Ah, bah oui, bah oui. Oui. Attends, on va peut-être lui parler en privé, lui, non? Ok, je vais voir s'il n'y avait pas quelqu'un pour rejoindre le Kroghistan, mais non. Alors, les personnages... On a combien de lanciers maintenant? Ça doit être pas mal, hein. 11? Moi, ouais, j'aurais dit plus, tu vois. Alors, dans Dijon même, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Un petit peu d'archélo anglais, on pourrait les prendre. Alors, chez le bourguignon, il y a ce qu'il faut. Tiens, des couleuvriniers, je vais les prendre.
Ok, ça marche. On va faire le tour des villages aussi, il faut que je les améliore. Je dis ça, mais j'ai combien de thunes? Ouais, il me reste 6000 balles, donc on va pas trop investir non plus, hein. Je me dépêche, il faut éviter de perdre des hommes. L'ancien qui a été assommé, ça c'est pas très grave. Je préfère les rangs des archers parce que la carte doit être petite. Vu comment ils ont plutôt pas loin, elle doit être toute petite. Ce qui fait que mes archers doivent être vachement décalés, tu vois. Et j'ai avancé un petit peu mes archers. Bon bah c'est pas mal. Ça c'était vite, hein, vache. Bien. Bon, ça c'est fait. Camp des écorcheurs, on peut peut-être aller le ruiner. On va aller ruiner le camp des écorcheurs, ça nous fera un petit peu de tranquillité dans la région. Attendez, ils ont tous des boucliers, des pavois intégraux, c'est pas la peine. Bouclier qui va des chevilles au menton. Allez, viens là, toi. Ok. J'allais dire je vais les laisser finir mais ils sont foutus de se faire démonter ces cons. Mais bon je l'ai eu. Ah, je sais pas, je voulais me le faire à l'arc celui-là, je sais pas pourquoi. Ils sont où? Ils doivent être quelque part. Ah bah ils sont. Oh merde, ça repop derrière. Bande de petits coquillous! Ville maintenant! C'est bon? Ça a l'air d'être bon. Les mecs qui m'attaquent au couteau de cuisine. C'est un peu insultant quelque part.
boulot. Bien, ensuite. On se fait... Ouais. J'allais dire, ça fait beaucoup, là. Putain, j'ai l'impression d'avoir détruit deux armées différentes. Bien, ça c'est réglé. Bon, on aurait pu, idéalement, faut aller chercher la quête du seigneur qui va te dire faut me débarrasser des écorcheurs dans la région, ça vous fait gagner un petit peu de thunes et tout. Donc là, il va faire la cour à une femme d'Auxerre, il est content. Y content. Ça vous rappelle du nombre de seigneurs qu'il y a en Angleterre. Ça va être fou. Ça va être fou. Et Nantes s'est défendu comment maintenant? Enfin, déjà le château de Moncourt. 33, tu vois, voilà, ça c'est normal. Et Nantes. 402. 200. Châteaubriand. 200. Forteresse du Mans. 200, putain. Ok, les Bretons sont bien installés. Alors, Fantassin-Lourd, bien sûr. Sergent français, évidemment. Des archers longs anglais. Dans mon armée, bien sûr, des archers longs anglais, évidemment. Évidemment. Ok, ça marche. Alors, il nous faudrait une bataille là, ce serait bien. Pas ni des crânes de fer. Ils sont pas agressifs avec moi, c'est cool. Le siège du château de Moncourt. Qui siège Moncourt? Ah, faut que j'achète à manger quelque part. C'est marrant ça, le village d'Albret n'est pas sous domination du donjon d'Albret. C'est particulier. La teste du bac. C'est un peu bizarre comme nom, mais bon. Les villes françaises, vous savez. Ça m'étonnerait pas que ce soit vraiment un truc qui existe. C'est quoi ça, les Français? Mais les Français, ils sont... Ils sont en guerre contre les Anglais ou pas alors? Je salue votre courage, votre bravoure. Ils vont attaquer la flèche. C'est à qui la flèche? Lieu. Ça doit être breton, manifestement. Ok. Moins 188, c'est pas terrible, ça. Bon, on va se faire une petite déclaration de guerre en bonne et due forme contre les Bretons, je pense. Les Bretons, ils sont bien aussi. Allez, on fait voir un peu. Je voudrais choper un seigneur breton pour voir un petit peu s'il veut me rejoindre. Ah, ils sont tous planqués ici. À nous la renommée, l'honneur et la gloire.
D'accord, on a un breton qui veut pas me parler. Ouais, le problème c'est que l'IA n'attaque pas du tout les forteresses ennemies. Alors c'est bien gentil, mais c'est à moi de tout faire, quoi. Pas de discours, donne-nous ce qu'on veut. Mais laissez-moi passer, mon Dieu. Ça, 2 kills à l'arc avant d'arriver à l'impact, c'est plutôt bien. Ouh, faut l'aider lui. Je dis faut l'aider puis je le coince. Je colle mon cheval devant et je le coince. Le mec il allait s'enfuir tranquille, tu sais. Mais attends, je vais t'aider, bouge pas. Et merde, ça passe. Non, c'était pas mal. Bon, on était à 4 contre 1, hein, d'accord. C'était pas mal quand même. Allez, 10 retondeurs, et on peut récupérer des chasseurs de primes. Ouais. Admettons. Ah, auberge, ouais. On va aller voir à Paris ce qui se passe. Est-ce que c'est à moi, Paris? Je pense. Hein. Ouais, gérer cette ville, c'est bien ma ville. Cathédrale Notre-Dame. Vous croyez qu'il y a des trucs à faire dans les lieux dits comme ça? Je lui ai filé 2000 balles pour augmenter ma renommée. Ça n'augmente pas, ça n'a pas augmenté ma limite de recrue. Un petit tour de taverne, voir s'il y a un rançonneur qui traîne. J'ai pas l'impression. Non. Nope. Fais voir un petit peu la garnison. Non, il y a des sergents anglais, des gardes du duc, des gardes anglais, des gardes bourguignons. Il n'y a pas un français dans le bordel. Il y a des sergents ici. Il n'y a pas d'écuyer, il n'y a pas de... Par contre, ouais, il y avait quelques prisonniers récupérés pour aller les vendre. On va aller voir à Dijon. Normalement, Dijon, hein, 9 fois sur 10, on a un revendeur. On a toujours de quoi racheter la cam à Dijon. Hop. C'est peut-être parce que c'est ma ville principale, je pense. $7300, c'est chaud, hein, c'est chaud. Il n'y a pas de fermier, je pensais trouver un fermier qui me donnerait une quête, sauver mon village, machin, tout ça. Des chasseurs de... Hop, qui se cartonnent, là, ici. On va l'aider. Les chasseurs de... Ah, je croyais que j'allais aider Jean de Berry, moi. Ouais, peut-être que Jean de Berry était déjà en train d'aider les chasseurs de primes, c'est pas impossible. Bon, l'idée, c'est pendant la trêve, hein, d'essayer de faire des missions, de participer à des batailles pour augmenter ma renommée avec tous les autres seigneurs. Pour éventuellement les gagner à ma cause.
Atroce carnage, toi. Oh là là, on voit même plus les adversaires. Il en reste 43, on les distingue même pas sur le champ de bataille. Regarde. On a déjà détruit la moitié de l'armée que... Le cul de mon armée n'est pas encore arrivé à porter, quoi. Bon, lui, il reste 3 survivants, vous allez pas... Ah, je te jure, hein, des fois, ils ont du mal. Hein. Bon, ok. Et du coup, il s'en fout, lui, alors. Ouais, c'est bien genre de Berry. Hein. Vie et mon honneur. Ah, on est à moins 3. Hein. Okay. Moi, les Français, ils ont pas l'air de vouloir me parler, je sais pas pourquoi. Bon, les amis, sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, bien évidemment. Et on se revoit demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Le ciao était raté, hein, mais quand même. Des bisous.